Eh bien, bien le bonjour à tous et à toutes, c'est X-Arrow et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, à vrai dire une toute première vidéo sur la chaîne Universe Time, donc qui est une chaîne uniquement consacrée au JDR, ou pour les intimes, au jeu de rôle, et consacrée uniquement aussi à Yu-Gi-Oh! Donc qui est un jeu de cartes. Non, j'ai fait une boulette qui est consacrée uniquement au JDR et au jeu de cartes. Parce que Yu-Gi-Oh! Je pense que ça. C'est bien, c'est un bon jeu, mais je pense que la team va évoluer vers d'autres jeux qui pourraient être aussi sympathiques de vous faire découvrir. Mais ce n'est pas ici le but de la vidéo. Donc le but de cette vidéo est assez simple. Je vais aujourd'hui vous montrer comment construire un deck qui peut être efficace selon moi, donc de mon point de vue. Donc tout d'abord, pour avoir un bon deck, il faut respecter une sorte de liste, une contrainte. Tout le monde le sait, je pense que c'est pas un secret. Pour avoir mon deck, il faut un minimum de cartes et un maximum de cartes de 40 cartes dans le deck. Moi, j'équilibre les choses de cette manière. 20 monstres, 15 cartes magie et 5 cartes pièges. Ça peut paraître absurde pour les cartes pièges, vu que c'est notamment utilisé, enfin, c'est notamment plutôt pas mal utilisé ces temps-ci, mais ça va. Quelquefois bien réussi d'utiliser cette méthode, donc je vais vous la faire partager et vous me direz vos avis une fois que vous aurez construit votre deck et avoir, moi parler France, et que vous auriez fait plusieurs parties avec ce deck-là. Donc c'est parti. Je vais vous montrer aujourd'hui, enfin, je vais vite fait faire un deck 6 samouraïs. Donc il faut savoir que pour construire un deck, évidemment, il faut un thème. Un thème, c'est toujours bien d'en avoir un. Si vous n'en avez pas, vous pourrez prendre quelques cartes par-ci par-là en espérant que ça marche. Mais avoir un thème, c'est toujours mieux. Donc, moi, j'utilise le thème 6 samouraïs pour le moment. Donc, je vais commencer à sortir toutes les cartes 6 samouraïs que j'ai. Ah oui, faut que je les retourne. C'est pas forcément évident. Alors. Donc, ce qui est bien lorsque vous avez choisi un thème, c'est de sortir toutes les cartes en relation avec ce thème. Notamment ici, les 6 samouraïs que je vais. Enfin, tout ce qui touche à la fois les 6 samouraïs et leurs effets. Pour ensuite choisir les cartes qu'il vous faudra. Donc, je vous conseille notamment de, lorsque vous avez choisi un thème, enfin, ça dépend du thème, mais de commencer généralement uniquement avec. Avec les cartes monstres. C'est histoire de vous faire une idée, et ensuite je pense que ça se développe un peu plus facilement. Sur le coup, j'ai un peu foiré. J'aurais dû faire la recherche avant la vidéo, ce qui aurait permis de gagner un peu plus de temps. Mais bon, maintenant que vous êtes là, je pense qu'on va en profiter pas mal. Encore une fois, enfin, si cette vidéo n'est pas assez précise, j'en referai une. C'est juste une vidéo d'introduction concernant la Universe Team, juste histoire de faire une vidéo. En fait, c'est assez simple. Voilà, donc je l'ai faite sur le feeling en me disant, tiens, je vais faire une vidéo pour la Universe Team. Et dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai les principes de la Universe Team et plein d'autres trucs. Mais bon, revenons au sujet. Donc, une fois votre liste de monstres prise, en fait. Il vous suffit simplement de choisir vos préférences et de les prendre. Donc, le Légionnaire de Qin, c'est une carte que j'utiliserai pas dans mon deck, tout simplement parce que je joue pas, je me focalise pas sur les compteurs. Envoyer des 6 samouraïs est une carte que j'utiliserai beaucoup, tout simplement pour détruire tout ce qui est marshmallow ou les trucs dans le genre. C'est vraiment assez utile pour percer la défense ennemie et ensuite attaquer directement. Donc ça, on garde, on met de côté. Ensuite, Inishi, conseiller de Chine. C'est une carte que je vais utiliser notamment facilement. Je devrais dire ça, notamment facilement, vu qu'il suffit pour l'invoquer de bannir deux monstres 6 samouraïs de votre cimetière et de l'invoquer ensuite cette carte spécialement. Ce qui est relativement sympathique pour un effet aussi bourrin qui est de détruire une fois par tour un monstre face recto. Le petit malus, c'est qu'il ne peut pas attaquer une fois cet effet activé. Mais bon. Esprit des 6 samouraïs, j'y reviendrai plus tard, je ne sais pas encore. Donc celle-là, on va le mettre ici. Grand Chokunshin, je pense que c'est l'une des cartes qui s'invoque aussi rapidement et facilement. Donc c'est sûr que je vais la mettre dans mon deck. Alors, concernant Yariza. Donc la carte que je viens de mettre ici, c'était un autre Yariza, mais c'est un double. Mais je vais en mettre qu'un seul. Tout simplement, je pense que c'est une bonne combo à faire quoi, avec une carte X6 que je vous présenterai tout à l'heure.
Donc celle-là, je vais les laisser de côté aussi pour y repenser pour au niveau de la combo. Kajimusha, si vous voulez faire des synchronisations, c'est le top. Donc ça, je pense même en mettre 3. Donc 1, 2. Et voici le troisième. Ensuite, Ancien Dissi Samouraï, c'est l'un qui s'invoque le plus facilement en fait. C'est une sorte de cyber dragon, mais pour ses samouraïs est en moins puissant largement. Mais c'est notamment pratique pour faire la synchronisation, notamment des cartes synchro que je vous présenterai aussi tout à l'heure. Concernant Kageki, donc c'est l'une des cartes phares de ce deck, je dirais. C'est celle qui facilite l'invocation, donc je la mets dans mon deck, c'est obligé. Pour ceux qui ne connaissent pas son effet, c'est lorsqu'elle est invoquée, vous pouvez choisir un monstre 6 samouraïs. Alors, un monstre 6 samouraï de max niveau 4 depuis votre main, et on peut le jouer. C'est relativement sympa. Fantassin de Chine, j'hésite aussi, tout simplement parce que c'est pas un 6 samouraï, donc ça peut à la fois bloquer l'avancée du deck, mais à la fois l'avancer si par exemple elle se fait détruire, vous pouvez invoquer un monstre 6 samouraï, donc ça peut à la fois la faciliter. 6 samouraï Mizuho, c'est l'une des cartes aussi qui s'invoque rapidement grâce à son effet compatible avec Shinei. Shinei qui doit être par là, qui est ici. Donc ces deux cartes, je pense que je vais les mettre parce que c'est relativement simple à jouer. Une fois que vous les avez en main, si vous en avez qu'un seul, par exemple Shinei peut être utile au niveau de son effet. C'est lorsqu'il est sacrifié, vous pouvez prendre un monstre 6 samouraï de votre cimetière et le jeter à votre main. Ce qui peut être relativement sympathique. Et Mizuho qui, elle, vous pouvez péter un monstre 6 samouraï de votre terrain et ensuite détruire un monstre de l'adversaire. Et je pense pas. Non, détruire une carte de l'adversaire, donc c'est essentiel à ce deck. Nishashi, j'hésite tout autant vu que ça peut être aussi sympa avec la combo que je vais vous présenter tout à l'heure, mais ça peut être aussi un malus au niveau de son attaque d'origine. Grand Shokunshin en deuxième expérience paire, il ne servira pas à grand chose à part vous bloquer la circulation. On va dire ça comme ça. Kamon, c'est une carte que j'utilise beaucoup au niveau de sa capacité qui permet de détruire une carte magie, si je me souviens bien, ou une carte magie ou piège, face recto. Si notamment on contrôle un monstre 6 samouraïs, hein, c'est l'effet à peu près de tous les 6 samouraïs. Pour activer leur effet, il faut obligatoirement que vous contrôlez un autre monstre 6 samouraïs, donc c'est forcément pénible lorsqu'on utilise un jeu 6 samouraïs qui n'est pas rapide, qui bloque, qui pour invoquer un monstre faut attendre 2 heures, mais si on utilise ce genre de deck avec les autres combos que je vais vous présenter dans les cartes magie, ça sera relativement simple. Alors, 6 samouraïs légendaires Inichi, j'hésite à le mettre, on verra ensuite. Donc, un autre conseiller, ça servira pas à grand chose. Envoyer, ça peut être sympathique en deuxième, mais ça peut aussi le bloquer. Ancien des 6 samouraïs. On peut toujours en mettre un autre. Donc ça, c'est Grand Maître des 6 samouraïs. C'est vraiment la carte qui s'invoque le plus rapidement. C'est lorsque vous contrôlez un monstre 6 samouraïs, vous pouvez l'invoquer directement. Je crois que vous ne pouvez en contrôler qu'un seul sur le terrain. Alors oui, c'est ça. Et ça permet de réaliser, je vais y arriver, les effets des monstres 6 samouraïs, donc des autres monstres, ce qui peut être relativement sympathique. Écuyer de Chine, j'hésite à le mettre. Je pense pas que je vais le mettre, mais on verra après. Grand Maître des 6 samouraïs, ça ne sert à rien de le mettre en 2 fois. Je pense que ça peut bloquer le jeu. Esprit des 6 samouraïs, on verra. Yashi, c'est la carte qui marche avec Kamon, enfin qui marche, qui permet de détruire toutes les cartes magie et pièges lorsqu'elle est en compagnie de Kamon, vu que celle-ci s'occupe des cartes magie ou pièges posées, et Kamon utilise, enfin, détruit les cartes magie ou pièges face recto. Et enfin, Hiro qui permet de détruire un monstre face verso automatiquement lorsque vous contrôlez un monstre samouraï qui peut automatiquement, par exemple, détruire un marshmallow. Donc voilà pour les monstres. Ensuite, lorsque vous avez fait votre thème et que vos cartes dont vous ne savez pas encore si vous allez les mettre ou pas sont de mise de côté, il vous suffit simplement de compter le nombre de cartes que vous avez. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est là que vous remarquez si vous avez ou pas le nombre de cartes nécessaires au monstre, donc qui est pour moi 20. Donc je pense, de toute façon, on est obligé d'en mettre 5 pour compléter le vide. Donc Kamon. Un esprit des 6 samouraïs qui peut être aussi sympathique. Enishi, qui peut à la fois bloquer le jeu mais l'augmenter. Fantassin de Chine, et je crois qu'il m'en reste une. Donc. Non, il m'en reste. Oui, c'est ça, oui. Il m'en reste une. Donc, alors, lorsque vous avez un choix à faire entre
plusieurs cartes, réfléchissez bien avant de choisir cette carte, parce que c'est celle qui peut vous bloquer le jeu en cours de partie, qui peut être notamment ce qui peut engendrer une réaction assez défavorable pour votre duel. Alors, laquelle je vais mettre? Alors, si vous avez du mal à choisir comme moi en ce moment, réfugiez-vous sur les effets des monstres, ça peut parfois vous aider. Sachant que envoyer des 6 samouraïs, on en a déjà un, et qu'on a déjà trop de destruction, de destruction man, on va appeler ça comme ça, des monstres qui détruisent les autres monstres, les autres cartes, je pense que ça ne nous servira pas. Yareza, oui, je l'avais mis de côté, voilà, c'était pour ça, donc Yareza, on va la mettre. Et Fantassin, on l'oublie. Alors, Yareza, du temps qu'on est dans la partie monde, je vais passer à l'extra deck. Et je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur l'extra deck, comment construire efficacement son extra deck. Donc, c'est une petite annonce. Donc, voilà, une fois les cartes dont vous ne servirez, dont vous ne vous servirez pas. Une fois que les cartes dont vous ne servirez pas, ok, c'est pas très bien français, mais une fois que vous avez fini votre tri, rangez bah, vos cartes, hein, c'est pas moi qui vais vous apprendre à ranger vos cartes. Donc voilà, ça c'était pour les monstres qui vont composer votre deck. Ensuite, on va passer à l'extra deck, donc je vais vous présenter le mien. Donc on va commencer avec les synchros. Donc il faut savoir que la combo qui est le plus utilisée pour invoquer les synchros, du moins, c'est celle que j'utilise le plus avec ce deck, vu qu'il n'est pas du tout complet. C'est Kagemusha et Ancien des 6 Samouraïs qui permet de faire une synchro des niveaux 5. Et donc, comme vous l'aurez pu le constater, invoquer le Lion Naturia. Un Lion Naturia, je ne sais pas si vous le reconnaissez, je vais vous montrer vite fait. Hop. Un Lion Naturia de niveau 5 et qui nécessite deux monstres de type terre avec un effet plutôt sympathique. Donc, ça, c'est concernant mon Lion Naturia. Ensuite, je crois que j'en ai. Bah non, j'en ai pas d'autres. Donc, on va passer au monstre de niveau 6, donc Chevalier Gaïa, Force de la Terre. Ensuite, un autre Naturia. Oh, wow, j'ai sauté une étape. Je mets dans ce deck aussi Guerrier Gravity. Gravity. Non, c'est pas Gravity, c'est Gravité. Ensuite, Landoise Naturia, Dragon de Ferraille. Donc, c'est les seuls monstres synchro que j'utilise pour le moment. Et on en vient au plus intéressant, si je peux me permettre, les monstres X6. Avec notamment Zenmine Automate qui est un bon défenseur en cas de difficulté grave. Numéro 17 Dragon, Léviathan. Grenosaur qui peut mettre des coups fatals assez rapidement. Germe. Non, Perle, Chevalier Germe, je vais y arriver. Donc qui est un peu un Chevalier Gaïa, mais pour X6. Numéro 39 Utopie, je pense que tout le monde l'utilise. Et enfin, Shen, Ombre des 6 Samouraïs, qui, comme je vous le disais, permet d'augmenter l'attaque de Yareza et attaquer directement avec 2000 points d'attaque, ce qui n'est pas négligeable. Donc voici la première partie qui se termine au niveau des monstres pour savoir comment construire un bon deck. Enfin, comment construire un deck tout court ou un bon deck. Ensuite, on va passer maintenant à la partie magie. Alors, c'est le même principe assez simple. Il vous suffit de rechercher déjà les cartes portant le même thème. Donc, j'aurais dû vraiment faire la recherche avant. Hop. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Alors la vidéo paraît assez longue vu que j'ai pas fait de recherche avant, mais il faut savoir que pour créer un bon deck, il faut enfin pour créer un deck vraiment efficace, j'ai envie de dire avec les cartes que vous possédez, il faudrait environ une bonne quinzaine de minutes, voire enfin je dirais entre 10 et 15 minutes. Vu qu'il faut y passer plutôt enfin pas mal de temps, 10 minutes, vous allez me dire que c'est pas grand-chose, mais il faut y passer quand même un peu de temps pour avoir bah déjà prendre connaissance des cartes, ce qui est notamment essentiel, et ensuite se familiariser avec elles et pouvoir les utiliser avec des combos lorsqu'on réfléchit correctement. Donc voici les cartes thème
en carte magie. Et une fois ces cartes thèmes réunies, ne vous arrêtez pas là, parce que ça serait trop simple, ou sinon votre deck ne serait pas tout à fait complet, enfin selon moi, bien entendu. Il faut les cartes essentielles à tout type de deck. Je crois que ça s'appelle les staples, ou un truc dans le genre. Mais c'est les cartes, je vais définir les cartes essentielles pour un deck dans cette vidéo. C'est les cartes qui s'appliquent à tout type de deck. À tout type de deck, donc qui sont vraiment élémentaires dans un deck. Donc il y a Trou Noir que vous connaissez tous, ensuite Monster Ribbon, Violent Orage, Renfort de l'Armée, enfin plus particulièrement pour le deck 6 Samouraï, ensuite ça n'a rien à faire ici, Typhon d'Espace Mystique, Épée de Révélation, Livre de la Lune, et celle-là, elle n'est pas vraiment essentielle, donc là, c'est la fin des essentielles pour moi. J'ai dû en oublier quelques-unes. Et après, en tir-joue, moi, je me permets de mettre Permutation de créature. D'ailleurs, je viens de faire une gourde. J'ai pas fini de trier, donc voilà les cartes que je vais mettre automatiquement dans mon deck. Donc, on va les mettre ici. Et ensuite, on va passer à l'analyse des cartes magiques que j'ai pu retirer au niveau du thème. Donc, le Temple des 6 Samouraïs, c'est une carte qui permet, lorsqu'un monstre 6 Samouraïs... Non, à chaque fois qu'un ou plusieurs monstres, si samouraï sont invoqués normalement ou spécialement, on place un compteur bouclier sur cette carte. Et les monstres contrôlés par notre adversaire perdent 100 points d'attaque pour chaque compteur sur cette carte. Donc il faut savoir que ça peut être relativement bien, parce qu'il y a un effet qui n'est pas forcément négligeable, ça dépend de ce qu'on sort, mais ça peut être aussi pénalisant au niveau de la sortie des cartes. Imaginons que vous êtes dans une situation critique et qui pour gagner, il vous faut simplement un trou noir, une permutation de créature. Et là, vous piochez et vous tombez sur cette carte. Temple des 6. Là, ça fout un peu le seum. Hein. Je vais parler familièrement, mais ça fout un peu le seum, il faut le dire. Donc voilà, c'est à réfléchir, à méditer. Donc je vais la mettre ici. Rafale 6, triple attaque, c'est aussi à méditer. Union des 6 samouraïs, c'est une carte phare et essentielle pour le deck 6 samouraïs. C'est un moteur de pioche vraiment unique. Ensuite, portail des 6 samouraïs, c'est de même. On rajoute une union de 6 samouraïs, plus on en a, mieux c'est. Ensuite, des signaux de fumée de Chin. J'en possède que deux pour le moment, donc j'en mets que deux. Et deux jeux de Chin qui permet de faire des invocations rapidement. Donc si on fait le total, ça fait 2, 4, 6, 8, 10. 12 et 14. Donc il nous manque une carte. Et on a le choix à ce moment-là de choisir entre Temple des 6 ou Rafale 6 triple attaque. Donc il faut savoir que faut bien prendre en compte les effets. Temple des 6, je vous l'ai raconté. Et pour pouvoir utiliser Rafale 6 triple attaque, il vous faut sur le terrain 3 6 samouraïs. Alors là, à ce moment-là, je pense qu'il faudrait la mettre dans le side deck. Le side deck, je vous dirai ce que c'est tout à l'heure. Mais je pense que je vais plutôt la mettre dans mon side deck. Donc on va la mettre de côté. Et on va prendre bien entendu le Temple des 6. Ce qui nous fait un total de 15 cartes. Donc on en est, si on calcule bien, à exactement 35 cartes au niveau des cartes magie et des cartes monstres. Donc il faut savoir aussi pour les débutants que l'extra deck, donc les cartes X6, synchro, fusion ne font pas partie de votre deck, ne comptent pas comme étant partie de votre deck, c'est une zone à part. Donc vous pouvez en mettre, donc si je ne me trompe pas, c'est le nombre maximum, c'est 15, et vous ne pouvez pas dépasser ce nombre-là. Mais elles ne font absolument pas partie de votre deck. Donc voilà, c'est bon à savoir tout de même. Donc ça c'est au niveau des cartes magie, donc on va maintenant passer aux cartes pièges. Donc ça, c'est pour le side deck, on va la mettre ici. Donc les cartes pièges, généralement, c'est là qu'on a le plus de mal, parce que c'est pas forcément évident de trouver des cartes pièges dans le thème, et si on en trouve, c'est pas enfin, elles sont pas forcément utiles. Enfin, ça dépend lesquelles, hein, ça dépend pour quel deck, encore une fois. Je préfère préciser, parce que je sens que je vais me faire descendre dans les commentaires s'il y a des professionnels de Yu-Gi-Oh! Mais je précise pour... quelques decks, des fois les cartes qu'ils utilisent en carte piège ne sont pas forcément utiles. Pour le deck 6 samouraïs, on a de la chance, on a quelques cartes qui sont élémentaires et qui sont vraiment typiques dans ce genre de situation. Alors, donc voilà, j'ai fait le tour, j'ai sorti à peu près toutes les cartes pièges dont je possédais au niveau des thèmes, et je vais mettre de côté les cartes qui me semblent phares. Donc j'ai dû en louper quelques-unes encore une fois. Mais c'est une vision globale à peu près des cartes phares. Donc voilà.
Donc maintenant, on procède naturellement à l'analyse. Il faut savoir que pour compléter ce deck, il nous faut simplement 5 cartes. Et ici, on en a 9. Donc voilà, on va devoir en jeter 4. Donc alors, technique de double lame, ça on prend. Pourquoi? Parce que c'est cette carte qui permet de finir l'adversaire en fait. De finir l'adversaire. Qu'est-ce que j'entends par finir l'adversaire? C'est simple. Imaginons que vous êtes dans une posture plutôt dramatique et que votre adversaire a sur son terrain une carte. C'est juste un exemple, hein, je préfère vous le dire. Il a une carte, par exemple, Épée de révélation de la lumière qui est face recto sur le terrain. Et il lui reste, on va dire, 2000 points de vie. Et vous n'avez aucun monstre, juste cette carte posée sur le terrain. Vous l'activez oui, et ça vous permet de faire appel dans votre cimetière, imaginons, à. Voyons voir, bah, par exemple, la chaîne Ombre des 6 samouraïs. Et à Kamon, donc voilà, qui permet de péter les cartes magie face recto. Donc grâce à cette carte, vous aurez pu péter les épées de révélation de la lumière et ensuite terminer l'adversaire avec chaîne Ombre des 6 samouraïs. Oui, voilà, c'est ça. C'est bien ça. Et ensuite terminer l'adversaire. Donc ça, on prend, c'est obligé. Ensuite, retour des 6 samouraïs. Donc celle-là, on va mettre de côté. Kagemusha des 6 samouraïs, ça, on prend. C'est vraiment utile, donc un deuxième double. Rafale 6, triple tonnerre, c'est lorsqu'on joue avec les compteurs, mais je pense que ça peut nous être utile vu qu'on a ajouté Temple des 6. Donc ça, on peut mettre là. Ça, je pense pas que ça va nous servir. Stratégie de Chine, à voir. Un autre Kagemusha, non, ça va pas nous être utile. Un deuxième retour, enfin technique de la double lame, ça peut toujours être utile. On va voir. Donc là, ça nous fait 3 cartes, en gros. Pour le thème 6 samouraïs. Enfin, c'est le thème que dont c'est les cartes dont je possède au niveau de ce thème. Et ensuite, je vais vous montrer vite fait, mais celle-là, du coup, on n'en a pas besoin, mais c'est une carte phare pour tout type de deck, je pense. C'est Appel de l'étranger qui vous permet de faire revenir un monstre de votre cimetière. Donc celle-là, on va la mettre là. Ensuite, dans tout deck, on est obligé d'avoir cette carte en une fois, voire deux fois. Moi, je la mets en une fois, vu que j'ai les cartes qu'il me faut pour bloquer les adversaires. Mais celle-là est vraiment unique. Donc si vous êtes débutant et que vous ne l'avez pas, je vous conseille de vous la procurer, même en commune. Donc si vous ne voyez pas très bien, le nom se nomme, cette carte se nomme Force des Miroirs. Donc procurez-la, vous, sur Internet, par exemple, sur eBay, elle doit être à 50 centimes en commune. Donc, qui est facilement accessible. Et je pense que Avertissement Divin est une bonne carte aussi. Donc voilà ce qui nous fait 5 cartes pièges. Réfléchissons tout de même à bien choisir. Donc Retour des 6 samouraïs, c'est une carte qui nous permet de choisir un monstre 6 samouraïs de notre cimetière et d'invoquer spécialement les cibles, sauf qu'elle est détruite durant la même phase. Donc ça, c'est relativement pénalisant vu qu'on a toutes les cartes qu'il faut ici pour faire revenir nos 6 samouraïs. Cette carte ne nous servira à rien. Et Stratégie de Chine, c'est une carte qui permet que si un monstre 6 samouraïs que nous contrôlons est détruit au combat, on peut invoquer spécialement deux autres monstres 6 samouraïs. Réfléchissons. Imaginons que nous n'ayons pas de carte dans la main. Cette carte ne nous servira à rien et nous pénalisera vraiment. Donc voilà, on a nos 5 cartes pièges, nos 15 cartes magie et nos 20 cartes monstres. Voilà. On vient de construire un bon deck, ou du moins un deck équilibré Yu-Gi-Oh! Et nous sommes prêts après un bon mélange. Un bon mélange, je pense que si. Non, je reviendrai juste après. Donc nous venons de construire un bon deck équilibré Yu-Gi-Oh! Et vous pouvez maintenant vous lancer dans la partie après un bon mélange. Donc pour ceux qui. Regarde cette vidéo simplement pour savoir comment construire un bon deck Yu-Gi-Oh! Et qui sont habitués aux différents types de mélanges pour bien mélanger son deck une fois le deck construit. Je vous conseille de quitter cette vidéo et de me laisser part de vos avis pour cette première vidéo sur Universe Team. De faire partager vos avis donc sur les commentaires, à mettre un j'aime. Et si vous n'aimez pas, ne mettez pas de j'aime, simplement. Écrivez dans les commentaires avec une analyse plutôt complète, pas un commentaire du genre je n'aime pas, point. Écrivez-moi vraiment vos réactions, pourquoi vous n'avez pas aimé cette vidéo et je ferai tout pour m'arranger pour que ça vous plaise. Voilà, donc c'était X-Arrow. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée si vous regardez cette vidéo dans la soirée. À bientôt.
Quoi, vous êtes encore là? Ah oui, c'est vrai, je vous avais dit que aux joueurs qui sont habitués à mélanger de partir. Donc maintenant, passons aux choses un peu moins sérieuses ou largement plus sérieuses. Et cette chose, c'est notamment le mélange. Donc je vais vous présenter aujourd'hui comment je mélange mon deck une fois que j'ai fini de le créer. C'est vraiment tout simple. Vous prenez votre paquet de cartes et vous le mélangez. Je vais me rapprocher de cette façon. Donc jusqu'ici, vous pensez que ça ne peut pas forcément être équilibré et vous avez totalement raison, vu que si on fait une pioche, donc une pioche de 5 cartes, voyons voir les cartes que nous avons là. Ça peut être à la fois équilibré mais aussi désavantageux. Enfin, je veux dire que c'est pas équilibré. Normalement, lorsqu'on pioche des cartes, on a un minimum d'une carte piège et ensuite 2, 3 cartes magie et une carte monstre. Une ou deux cartes monstres. Mais bon, là, on a eu quand même relativement de la chance à piocher des aussi bonnes cartes, mais ça sera pas forcément le cas une fois votre deck construit. Donc maintenant, on va passer au vrai mélange. Donc voilà. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je fais un tas, donc une ligne plutôt, de quatre cartes. Je sais pas si vous voyez bien, je vais les rapprocher grossièrement pour que ça se voie. Donc quatre cartes. Je fais ça pour encore une autre ligne en fait. Et ensuite j'entasse les cartes, donc comme ça, en diagonale pour les respecter. Et une fois la première tournée de cartes faite, vous remélangez correctement le paquet. Et vous continuez ainsi. Donc là je le fais grossièrement, mais c'est vraiment juste pour vous montrer. Donc là. Pour le moment, je remélangerai une fois la vidéo terminée, donc je le fais rapidement, c'est histoire de vous montrer. Et une fois que la dernière carte touche un paquet spécifique, ce que je fais, c'est que je prends ce paquet et que je recommence à tasser. Donc là, hop, et je recommence jusqu'à ce que ça se termine. Et c'est une fois terminé que le deck est vraiment, vraiment mélangé. Et des fois, ça nous permet d'avoir de bons tirages lorsque, par exemple, on finit un duel et qu'on ramasse tout à la va-vite avec des cartes magie ou des cartes pièges. Donc ça, c'était vraiment une façon de mélanger qui pour moi est plutôt pas mal. Donc voilà, c'était X-Arrow pour ceux qui ont fini avec moi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit j'aime si vous avez aimé, de laisser part à vos commentaires dans la barre dédiée aux commentaires. Et voilà. Donc il faut savoir que je suis relativement fatigué, donc voilà, c'est pour ça que j'ai une voix chelou et que j'ai présenté assez rapidement cette vidéo. Donc voilà, ne m'en tenez pas compte au niveau de la qualité audio et je suis désolé si cela vous gêne. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.